à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être mes affaires psychomentales partie 6. Alors je vais commencer par le magazine numéro 8. Voilà. Alors, il y a les dates de concert, voilà. Il y a un poster comme toujours dedans. Alors, tout sur le Vampitour 2016. Déguisement et recettes pour Halloween, une super BD inédite. Voilà, et les deux posters comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer le numéro 9. Celui-ci. Le numéro 10, ben, j'arrive pas à le trouver. Alors, il y a un calendrier devant. Dedans, pardon, et le poster. Voilà. Alors, les secrets de beauté des filles. Test et tu fashion victime et une super BD inédite. Voilà. Ensuite, j'ai un casque audio différent et que bah, c'est très bien. Alors, du coup, bah, voilà. Je vais vous montrer. Pas vraiment le même, voilà. Avec ici, voilà. Donc voilà pour le casque audio. Ensuite, je vais vous montrer la dernière chose que je trouve que c'est trop bien. Alors, ça, c'est le coussin secret. Vous avez peut-être déjà vu. Les, je sais pas, dans les catalogues numériques, voilà. Là, c'est la boîte. Alors, le coussin, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de tout, comment il est. Voilà. Donc, normalement, le cadenas, vous voyez, en fait, normalement, il s'accroche sur les deux fermetures ici, comme ça. Sauf que moi, en fait, je préfère l'enlever parce que je sais pas si c'est très très solide ou pas. Et du coup, bah, au cas où, quand même, je préfère. Voilà. Donc c'est un cadenas comme ça avec les petites clés en forme de cœur. Voilà. Clés en forme de cœur. Et il se referme comme ça. Alors du coup, je vais vous montrer le cadenas. Avec Daisy. Voilà. En forme de cœur. Alors ça c'est pour les clés et le cadenas. Ensuite le coussin, voilà comme ça. Et derrière, comme ça avec Daisy, c'est marqué Chica Vampiro. Et là Daisy elle est ici Chica Vampiro. Voilà, alors je vais vous montrer à l'intérieur. Déjà la fermeture, c'est sur toute la longueur du coussin. Donc voilà à l'intérieur. Alors... Attendez, excusez-moi. Oh là là. Donc à la base, c'était ça comme ça et ça, il s'était collé derrière la chauve-souris. Je vais recoller parce que ça s'est décollé. Voilà, chauve-souris miroir. Oh là là, je suis en train de... C'est la figure, donc voilà. Chauve-souris en forme de miroir. Il y a deux feutres. Voilà. Et un carnet secret, c'est tout inclus dedans. Voilà, et voilà le derrière. Du coup, bah, ça se range là sur. Il y a des feuilles, des trucs exprès pour moi. Donc, la couleur de feutre violet et rose. Voilà. Alors, je vais remettre ça comme ça. Après, il y a le miroir qu'on met. Et du coup, la fermeture à refermer. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, pouce bleu. À la prochaine. Salut!